sera offert à la Chine. Et la Russie doit, elle aussi, ne pas commettre la moindre erreur au sol. Maxime Deviatovski avec un enchaînement de trois difficultés. Mais ça va, c'est pas catastrophique. Salto tendu, double avant, grosse difficulté, ça passe. Il perd tout de même quelques petits dixièmes sur ses réceptions un peu justes. Mais oui, on voit, il y a des, quand même des petits déséquilibres, ouais, là encore. Une fois de plus. Et oui, ça fait trois réceptions un petit peu limite. Le passage triple russe. Allez, c'est bien. Il faut tenir. 1, 2, c'est bon. Rondan, salto japonais, salto costal. Ah, c'est vraiment un dénouement de rêve, Benoît, puisque les deux équipes là s'expliquent à quelques mètres d'intervalle. Les Russes au sol, les Chinois à la barre fixe, mais Deviatovski n'a pas réussi la prestation parfaite que l'on pouvait espérer, même si là il brandit le point. On n'a pas de chute, mais des petits dixièmes qui s'envolent sur chaque difficulté. On attend la note de Feng à la barre fixe. Là voilà, 15.